Bonsoir, cher public de Facebook, Marie-Christine Eustache en direct pour le 22e jour de live sur 30 du défi que je me suis lancé moi toute seule pour vous donner, vous partager surtout comment je vis le bonheur au quotidien. Justement, j'ai repris il n'y a pas longtemps là, les vidéos, les premières vidéos parce que je les ai téléchargées pour les mettre sur YouTube, donc vous pouvez retrouver les vidéos sur YouTube. Et voilà, au début de ce challenge, j'avais lancé le truc parce que voilà, les élections venaient de se faire, il y avait plein de gens qui étaient complètement démoralisés de se dire « ouais, non mais bon, etc. » Bah écoutez, ouais, si ça vous impacte, bah, j'en suis navrée pour vous. Maintenant, c'est vrai que vous pouvez faire autrement que d'être impacté par ce qui se passe à l'extérieur de vous et choisir. Coucou, je vois qu'il y a un petit œil qui arrive, bienvenue. Ah, bonsoir Laurent Giraudino, ça va bien? Ah, Laurent Giraudino, pour les personnes qui ne me connaissent pas, journaliste qui intervient entre autres pour TF1, qui avait fait un super beau reportage sur la naissance de ma fifille. Oui, attention, on va prendre un coup de vieux, il y a 21 ans. Mais voilà, c'est vrai que je garde un super bon souvenir de ce moment. J'ai une heure de rush du moment de l'accouchement à domicile, donc c'était vraiment très très... très fort, un très très beau souvenir, un très bon moment partagé ensemble. Et donc aujourd'hui, ce que je souhaitais partager dans ce live, c'est justement le bonheur à deux. Demain soir va être diffusé à partir de 18h l'interview que j'ai donnée à Christine Brugnon-Ferrière en janvier, on a fait ça, en février, on a fait ça, ou janvier, je ne sais plus ce que j'ai dit. Bref, début d'année, on a fait ça ensemble. Et j'ai parlé évidemment dans ce live de ce que je proposais essentiellement maintenant, qui est d'apprendre à cultiver le bonheur à deux. Ben oui, Laurent, quand il était venu faire le reportage, j'étais avec quelqu'un en couple avec qui ça ne fonctionnait pas. C'était vraiment très très compliqué, ça s'est terminé par un divorce, avec de grosses galères derrière, et depuis évidemment j'ai complètement retravaillé sur moi. Donc il y avait des choses évidemment qui n'étaient pas d'équerre au début, donc évidemment ça ne pouvait pas fonctionner, mais en plus je vivais avec quelqu'un avec qui ça pouvait pas fonctionner, puisque j'avais fait des essais, j'avais essayé de progresser de mon côté, et franchement, bah ah oui, mais enfin, il y a des moments où on peut essayer de faire tous les efforts possibles, si l'autre de l'autre côté n'en fait pas, lui aussi de son côté, bah on n'y arrive pas. Donc ça s'est terminé par un divorce. Moi j'ai travaillé avec des thérapeutes, de mon côté j'ai aussi soigné ma santé, guéri mes problèmes de santé, parce que j'avais des gros soucis de santé qui faisaient que j'étais aussi fatiguée. Et du coup, quand on est fatigué au niveau de son organisme, ben on ne peut pas avancer. Et puis, j'ai surtout compris beaucoup de choses au niveau des relations à deux. Et c'est ce que j'ai mis en place pour moi d'abord, parce qu'avant de le proposer aux autres, je l'ai testé, expérimenté pour moi pendant un bon bout de temps. Et c'est une formation qui est en ligne, qui s'appelle Amour Couple Plus Plus Plus. Donc vous verrez demain soir dans le live, enfin dans l'interview que j'ai donnée à Christine, évidemment on en parle. Et je partage évidemment cette vision que j'ai développée, que j'avais déjà à l'époque, hein, voilà, quand je me suis mise en couple, c'est que pour moi, ça doit être la base, hein, le couple, ça doit être le socle sur lequel on peut revenir quand justement on a un moment un peu compliqué au boulot, ou qu'on a ceci, cela, bah, c'est vraiment là où on peut se ressourcer. Et quand c'est pas le cas, c'est un peu compliqué et ça part en vrille. Et en plus de ça, le couple, quand il est bien solide, quand il est bien structuré au départ, eh bien ça permet d'accueillir les enfants complètement autrement. Et comme ces chers petits bambins, ils n'ont qu'un objectif inconscient, c'est de faire grandir et évoluer leurs parents. Si les parents, le couple parental est bien soudé, bien accroché,
les parents vont pouvoir grandir ensemble, et surtout les enfants, ils vont pas pouvoir faire ce que j'appelle le pied de biche, c'est-à-dire que les enfants, ils arrivent, ils prennent une faille, hop, et ils font sauter le truc. Et oui, parce que l'objectif, c'est quand on fait sauter le truc, eh bien, c'est que les parents, ils vont évoluer, l'adulte va évoluer. Et ce que j'ai dit à plusieurs parents que j'ai accompagnés, même si sur le coup, c'est pas évident de le voir, et moi, voilà, avec ma numéro 2, c'était compliqué. C'est vrai que plus on a des enfants qui nous challenge, plus on a un potentiel d'évolution qui est juste énorme. Donc je remercie ma deuxième d'avoir été si challengeante. Voilà, ça n'a pas toujours été simple avec elle. C'est vrai que je m'en suis sortie plutôt pas trop mal. Et d'ailleurs, c'est ce qu'elle me dit de temps en temps. Elle me dit, ouais, finalement, tu t'en es plutôt bien sortie. Et donc, demain soir, eh ben, j'aurai plaisir à partager ça. Vous verrez dans l'interview que j'ai donnée à Christine. Et donc, du coup, pour suivre l'interview, puisque cette interview a été enregistrée, qu'il y a eu beaucoup de mouvements au niveau de ma personne depuis le moment où ça s'est fait, je propose aux personnes qui le souhaitent de se retrouver en live, en direct, sur Facebook. Et je serai par contre en live sur le temps de diffusion de l'interview. Je crois que Christine le met sur StreamYard. Et donc, vous pouvez commenter, poser des questions. Et donc, je serai présente en live, évidemment, pour répondre à ces questions. Voilà. Et donc, je profite de ce direct pour remercier infiniment Christine de m'avoir proposé cette aventure. Parce que c'est vrai que, très honnêtement, quand... je lui ai dit, quand elle a cherché les 50 personnes pour faire des portraits, je dis ouais, moi ok, je veux bien, etc. Puis quand on en a discuté, c'est vrai que, femme ambitieuse, je me suis dit, j'ai pas l'impression tant que ça d'être ambitieuse, mais finalement, c'est une ambition d'un point de vue de vie personnelle. L'ambition d'avoir une bonne santé, alors que j'ai passé des années à être malade. L'ambition de construire une belle relation en couple, alors que ça n'a pas été le cas pendant des années. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'est l'ambition, et c'est de ça dont on va parler demain soir. Voilà, sur ce, eh bien, bonne soirée tout le monde qui regarde en direct ou en replay. Bonne soirée Laurent, peut-être à demain pour cette diffusion de l'interview. Et je vais retrouver mon chéri qui est en cuisine et qui vient de faire cuire le poisson qui n'a pas été pêché dans le marais de Poitevin, parce que voilà, on est passé cet après-midi dans le marais de Poitevin. Je vous ai fait une petite vidéo. Voilà, on allait retrouver Axel qui nous a promenés en barque, et Axel était avec nous lors d'un rallye moto. Voilà, donc on a découvert un tout petit bout du marais de Poitevin, parce que c'est vraiment très très vaste, mais c'est très 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 joli. Et donc là, ce soir, on est un peu crevé parce qu'on a eu chaud à se balader, à marcher un petit peu pour aller rejoindre la barque avec l'équipement moto. C'est un peu inconfortable, il faut le dire. Voilà. Bonne soirée tout le monde, et au plaisir de vous retrouver demain soir.